je m'appelle Lucette Manette Caravelle. Je suis née à Mornalo. Mes parents étaient de simples personnes. Hein. Mon père était un passionné de cyclisme. Il était le président de la pédale du centre à Mornalo. Et d'ailleurs, on lui a dédié pendant assez longtemps un mémorial, le mémorial de Nimanette. Ma mère, j'ai eu la douleur de perdre ma mère très jeune, j'avais 5 ans. Et j'ai été élevée par ma grand-mère à Mornalo, qui était une femme très, très active dans sa commune, qui était une militante aussi de l'Union des femmes. Et après, je suis partie avec ma tante, qui elle aussi a été une grande militante de l'Union des femmes guadeloupéennes. Elle a donc été la première présidente à la création de, la de l'association en 1958. Elle y a présidé pendant bien 4 ans. Eh bien, la femme guadeloupéenne, on souhaite qu'elle soit militante, oui, parce qu'actuellement, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup qui veulent militer, se défendre. Parce qu'il y a beaucoup de cas où la femme doit se défendre.